avons construit une maison de Pâques et aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait passer 24 heures dedans. Pendant ces 24 heures, nous aurons 5 défis à réaliser et chaque défi aura un nombre de points qui lui sera attribué. Et celui qui a le plus de points à la fin des 24 heures gagne les 2 maisons de Pâques avec tout ce qu'il y a à l'intérieur. Le 24 heures commence maintenant! Non! Allez! J'ai tout ce qu'il me faut pour le 24 heures. J'ai une télévision, une PS5 et j'ai même une pièce secrète. Derrière ces boîtes de chocolat, il y a un trou avec une pièce secrète. Et si vous vous demandez qu'est-ce qu'il y a dans la pièce secrète, eh ben, il y a plein de bonbons de Pâques. Moi, j'ai tout ce qu'il faut pour passer un 24 heures dans mon panier de Pâques. J'ai un coin détente juste ici et derrière moi, il y a un bar à bonbons. Et pour ceux qui ont écouté la dernière vidéo de Will, vous savez qu'au deuxième étage, j'ai un lit pour pouvoir dormir. Alors justement, ça va être l'heure de faire le premier défi de ce 24 heures. Pour ce premier défi, nous avons chacun une cuillère et un œuf. Nous allons devoir garder l'œuf dans la cuillère pendant une heure. Et pendant cette première heure, on a une liste de 3 tâches qu'on doit faire. Mais attention, nous devrons toujours garder l'œuf dans la cuillère et si l'œuf tombe ou se casse, nous perdons ce défi. Alors, c'est parti. Ici, j'ai mon œuf et ma cuillère et j'ai ici la liste des défis que je dois réaliser. Et comme vous voyez, il y a un point attribué à chaque défi. Tenir sur une jambe pendant 30 secondes qui vaut 1 point. Oh, ça va être facile. Moi aussi, j'ai comme défi de tenir sur une jambe pendant 30 secondes. Ça va bien aller. Bon, allez, on va commencer par faire le premier défi. Oh là 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 là. Wouhou! Je suis un peu stressée. Oh, t'es prêt pour le 30 secondes? Ah oui, je suis prête. Ok, 3, 2, 1, c'est parti! Le 30 secondes est parti! J'oublie aussi de préciser que maintenant, on n'a plus le droit de lâcher la cuillère. C'est-à-dire qu'on doit la garder dans notre main. En vrai, c'est un peu difficile. J'espère vraiment que Will va échapper son œuf. Non! Échappe-le! Non! Et à savoir que c'est le défi le plus facile. Oh! Et voilà! 30 secondes! Ok! Alors, on a réussi, on a toujours notre œuf. Ça veut dire qu'on a les deux 1 point. Let's go! Je rentre dans mon œuf avec un œuf. À savoir que nous avons une heure pour réaliser les 2 autres défis. S'il y a un défi qu'on ne réussit pas, eh ben, on a tout simplement pas les points. Bon, prochain défi, c'est de faire une pompe. Mais là, comment je suis supposée faire une pompe avec une cuillère et un œuf dans la main? Moi, comme deuxième défi, je dois monter au deuxième étage de ma maison pour 5 points. Ça risque d'être compliqué, mais on va essayer. OK. En vrai, je sais vraiment pas comment je vais faire. OK. Je dois la pousser avec ma tête. OK. OK, la trappe est levée. OK, c'est ici que ça devient compliqué. OK. OK. Il est encore dans ma cuillère. OK. OK, je suis au deuxième étage, j'ai réussi. Wouhou! J'ai 5 points de plus, alors j'ai un total de 6 points. Je sais pas comment je vais faire. Attends, ici j'ai pas assez d'espace, je vais sortir de mon œuf. Je vais tenter de faire la pompe ici. En vrai de vrai, si je veux faire une pompe avec ce truc dans la main, je vais devoir le faire avec une seule main. Donc voyons voir si Willy Ben est fort. Ok, attention. Attention. Let's go! On peut dire que ça compte? Let's go! Ça veut dire que moi aussi, j'ai 6 points. Alors on passe au prochain défi. Le prochain défi est de sauter en bas de ma maison pour une valeur de 10 points. Mais c'est beaucoup trop haut. Comment je suis censée faire ça? Je crois qu'il n'y a aucun moyen que je saute d'ici tant que mon œuf tombe par terre. Je sais vraiment pas comment je vais faire. C'est vraiment haut. Qui a préparé ces défis? Je suis presque sûre que je vais me casser une jambe si je saute tout en bas. Pour le dernier défi, c'est écrit « Grimper sur le toit de mon œuf ». Et ça vaut 10 points. Je suis supposé faire ça comment, moi? Mon œuf est clairement pas assez solide pour que je puisse grimper dessus. Regardez ça, ça va s'écrouler. Imaginez si mon œuf s'effondre. J'aurai même plus de maison pour le reste du 24 heures. Alors, honnêtement, je pense pas faire ce défi. Je crois pas que je vais faire ce défi, moi non plus. C'est beaucoup trop haut et c'est risqué. Nous avons donc tous les deux resté dans nos maisons en attendant que cette première heure soit terminée. La première heure est officiellement terminée! Alors, je peux reprendre mon œuf. Oh là là, Lori, c'est fini. Oh my god, let's go! T'as toujours ton œuf? Oh. On a réussi! Let's go! Moi, c'était littéralement de grimper sur mon œuf! Mais c'est impossible! Mais non, mais je sais! Il se serait écroulé! Puis toi, c'était quoi? C'est de sauter en bas, je crois? Oui, je devais sauter en bas de ma maison! Oh là là! Pour la prochaine heure, on va pouvoir se reposer avant le prochain défi. J'ai aucune idée du prochain défi, mais vous savez quoi? On va prendre un peu d'énergie. Je vais manger un Ferrero Rocher géant! Oh miam, ça a l'air trop bon. J'adore le chocolat et j'adore les Ferrero Rocher. Et vous savez quoi? J'ai envie d'aller me prendre quelques bonbons. J'adore les mini-eggs.
Pour le prochain défi, nous avons tous les deux 3 œufs que nous allons devoir peindre. Mais attention, pour le premier œuf, nous aurons 10 secondes pour le peindre. Le deuxième, nous aurons 1 minute. Et le troisième, 10 minutes. Et pour lui qui aura fait les plus beaux œufs de Pâques, gagne ce défi. Si vous vous demandez c'est quoi les nombres, en fait le 1, 3, 10, c'est le nombre de points. Donc on va commencer par le premier œuf d'une valeur d'un point. Et on a seulement 10 secondes pour peindre le plus bel œuf de Pâques. C'est pas beaucoup 10 secondes? Non, c'est pas beaucoup. Moi j'ai pensé que je pourrais peindre le logo de YouTube sur mon œuf. On va prendre le rouge et ça va être très facile. Je vais faire quelque chose de très simple. Je vais peindre un cœur. Ok, Laurie, est-ce que t'es prête? Oui. 3, 2, 1, c'est parti! Allez. Et... Ouh! Ok. Non, j'ai peur de manquer de temps. Oh, c'est terminé! Non, j'ai pas eu le temps de terminer. Oh, ok, et moi, pour vrai, ouais, c'est ce que j'ai eu le temps de faire. Moi, j'ai pas eu le temps de terminer. Toi, t'as fait quoi? T'as fait un cœur? En vrai de vrai, avoue que ça ressemble au logo YouTube. Oui, j'avoue. C'est quand même réussi. En plus qu'on avait seulement 10 secondes, donc en vrai, je suis fier. Donc, c'est moi qui gagne? Oui, c'est toi qui gagne. Let's go! Alors, j'ai un point. On passe maintenant au deuxième œuf d'une valeur de 3 points. Et je vous rappelle qu'on aura 1 minute pour faire le plus bel œuf. Donc, est-ce que Laurie, tu es prête? Qu'est-ce que tu fais? Tu sais que c'est pour laver ton pinceau, cette eau-là? Pas pour boire. Ah. Oups. Attention à vos pinceaux et c'est parti! 1 minute! Moi, vous savez quoi? Je vais faire une éclair sur mon œuf. Moi, je crois que je vais faire un petit motif de Pâques. Alors, des lignes avec des petits points sur mon œuf. Attends, il y a déjà 24 secondes de passé? Oh là là! Ok. Oh là là, allez, mon éclair. Eh, c'est vraiment pas long, 1 minute! La dernière étape, les petits points. C'est pas aussi beau que j'aurais voulu, mais bon, j'ai juste 1 minute, alors je fais de mon mieux. Il me reste plus beaucoup de temps, mais je vais prendre le bleu. Et on va faire un nuage. Ok, il reste 7 secondes! Non! 6, 5, 4, 3, 2, 1... Stop! Ok, c'est maintenant l'heure de montrer nos œufs. 3, 2, 1... Oh, en vrai, c'est beau, qu'est-ce que t'as fait? Bon, et en vrai, j'ai eu un peu de difficulté à faire l'éclair et le nuage. Il m'a manqué un peu de temps, ça mais... Ça un tout petit peu. Ouais, bon. En vrai de vrai, on peut dire que c'est Laurie qui a gagné parce que son œuf est vraiment plus beau que le mien. Donc, oh, yeah! On passe maintenant au dernier œuf et on aura 10 minutes pour le peindre. À savoir que pour l'instant, j'ai 1 point et Laurie a 3 points. Est-ce que t'es prête? Oui! Ok! 3, 2, 1, c'est parti pour le 10 minutes, donc on a beaucoup de temps cette fois-ci. Alors moi j'ai choisi de faire un œuf de Pâques. Je vais peindre mon œuf tout en jaune et je vais ajouter des motifs de couleur. Je suis sûre que c'est moi qui va gagner. Moi personnellement, je vais tenter de recréer mon œuf géant, mais en version miniature. Donc je commence par le peindre en bleu. Et ça va être magnifique, je suis sûre que c'est moi qui va gagner. J'ai bientôt terminé de mettre la couche de jaune, alors ça avance plutôt bien. Je suis très confiante. Donc pour l'instant, ça avance très très bien. J'ai pas mal terminé de faire le jaune. Je vais le laisser sécher quelques secondes et ensuite je vais commencer les motifs. Et voilà, j'ai terminé la couche de bleu. Donc je vais devoir aussi le laisser sécher quelques secondes. J'ai terminé de faire sécher mon œuf et maintenant il reste 3 minutes pour terminer de peindre nos œufs. Donc je dois vraiment me dépêcher. Et là, je vais prendre cette peinture bleue. Voilà, plus foncée. Et je suis très concentré. En fait, je suis littéralement Picasso. Willy Ben n'est pas Picasso. Oui, je suis non. Picasso. Non. J'ai terminé de faire les petits zigzags et maintenant il va rester à faire les points jaunes. Il nous reste moins de 2 minutes. Willy Bed, l'artiste. Moi aussi, j'ai terminé de faire mes lignes. Il me reste juste à faire les petits points orange. Il reste 30 secondes! 30 secondes, attention! En vrai, c'est plutôt pas mal, ça! Attention! 10, 9, 8, okay, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... C'est terminé! C'est fini! Et voilà! Et voilà! En vrai, ton œuf est magnifique, regarde-moi le mien. Oh, t'as reproduit ton gros œuf! Oui! Oh, mais c'est super beau, en fait! En vrai? C'est presque pareil. C'est presque pareil! En vrai, j'adore mon œuf, mais je dois avouer que celui de Will est beaucoup plus beau. Alors, Will, je te laisse gagner. Let's go! Alors, j'ai gagné ce challenge, ce qui veut dire que j'ai 10 points de plus. Donc, si on fait le calcul, j'ai gagné le premier œuf, donc j'ai 7 points plus 10, alors j'ai 17 points! Et moi, en tout, j'ai 9 points! Alors, je suis
derrière Will. Nous sommes alors retournés dans nos maisons de potes. Comme il reste une heure avant le prochain challenge, j'ai eu une idée de génie. Laurie est actuellement dans sa maison, mais je n'ai aucune idée où elle est dans sa maison. Donc, je me suis dit que je pourrais aller infiltrer sa maison et lui faire peur. Je crois que je vais passer par le toit du panier de Laurie. Je sais pas comment je vais faire. Allô? Je vais me cacher sous son lit. Est-ce qu'il y a quelqu'un sur mon toit? Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Allô? Je suis sûre qu'il y a quelqu'un. J'ai entendu du bruit. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un ici. Oh my God! Ah là! Je savais que c'était toi! Sors de ma maison! Hé, hey, non! Oh, mais qu'est-ce que je fais ici? Sors d'ici! Non, mais je m'étais endormi, moi! Mais pourquoi je suis ici? Non, j'ai aucune idée pourquoi je suis ici! Bon, ok, j'avoue, mon but était d'aller voler tous tes bonbons! Non, sors de là! On s'est fait griller, j'aurais peut-être pas dû prendre la jambe de Laurie. Je vais t'accompagner pour être sûr que tu ne voles pas de bonbons. Je te surveille! Bon, bye! Attends, je vais vérifier que t'as rien ici. Ok, bon, moi, je suis de retour dans ma maison, j'ai absolument rien pris. Je sais que tu m'as pris quelque chose. Non, j'ai rien pris. Oh. Pour vrai, les bonbons sont délicieux. Et vous savez quoi? Je vais les cacher dans ma pièce secrète. Et voilà. Oh, je suis trop fort. Ok, c'est officiellement l'heure du troisième défi. Alors, Laurie, viens ici. Pour ce troisième défi, on va devoir préparer une chasse aux œufs dans nos maisons et celui qui trouvera le plus d'œufs gagne. On aura chacun un total de 10 œufs, dont un œuf doré. Les plus petits œufs ont une valeur de 1 point, tandis que l'œuf doré géant a une valeur de 5 points. C'est-à-dire qu'on va devoir bien le cacher. Celui qui aura le plus de points aura le droit de prendre tout ce qu'il veut dans la maison de l'autre. T'es prête? Oui! Attention, on a 10 minutes. C'est parti! Ah oui, et j'oubliais, on a le droit de cacher les œufs à l'extérieur de notre maison. Allez, c'est parti! Alors, j'ai pensé que je pourrais cacher un œuf ici, comme ça. Je vais être généreuse et je vais en mettre deux ici, comme ça. Je vais essayer d'en mettre un ici, comme ça, voilà, juste ici. Personnellement, ma chasse aux œufs va être beaucoup trop dure pour que Laurie puisse la trouver. Alors déjà, j'ai une idée, je vais cacher cet œuf juste ici. Alors regardez ça, on va remplacer ce truc, je vais le mettre dans... comme ça. Et voilà. Elle le trouvera jamais. Et je pense que pour le reste de mes œufs, on va aller les cacher au deuxième étage. Évidemment que je vais en mettre un dans mon sapin. Hop. Voilà. Regardez, je l'ai mis juste ici. Bon, il reste officiellement 5 minutes pour cacher nos œufs. Allez. Voyons voir où je vais cacher mes œufs au deuxième étage. Voilà. Comme ça. Ça. C'est ni vu ni connu. Je viens en cacher un derrière la PS5. Il me reste encore 3 œufs à cacher, dont l'œuf doré. Donc, on va les cacher le reste à l'extérieur. Ça va être impossible à trouver. Et maintenant, il me reste l'œuf doré et j'ai une très bonne idée où je pourrais le cacher. Il me reste maintenant l'œuf doré à cacher et je crois que je vais le placer juste ici. Mais je vais demander à Med de m'aider. Comme ça ici. En vrai, je crois pas que Will va pouvoir le trouver celui-là. Maintenant pour l'œuf doré, je vais éviter de parler fort parce que je veux pas que Laurie m'entende. Mais venez ici, je vais vous montrer où je vais le mettre. Juste ici, comme ça. C'est parfait! Pour vrai, Laurie ne sera jamais capable de trouver mes œufs. Ok Laurie, le 10 minutes est officiellement terminé, ce qui veut dire qu'on va commencer par ta maison. Donc, ce sera moi qui va devoir trouver tes œufs en premier. J'espère que t'es prêt. Oh que oui, je suis prêt. 3, 2, 1, c'est parti! Oh, mais là!
savoir qu'on a chacun 2 minutes dans la maison de l'autre pour trouver le plus d'œufs possible. J'en trouve pas! Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Oh, il y en a deux! Bon allez, j'ai 2 points pour l'instant. Eh non, mais en vrai, c'est dur, mais c'est dur. Oh, il y en a là! Il y en a ici! Un troisième! Oh, il y en a là! Bon, Will, il te reste 1 minute et je te rappelle que tu peux monter au 2e étage. Oh oui, c'est vrai, attends-toi! Il a perdu un œuf. Ok. Ah, ok. Et pour l'instant, j'ai seulement 4 œufs. Je dois en trouver plus. Oh, j'ai sûr qu'il y en a un en dessous du lit. Oh oui, il y en a un! Il y en a un! J'en ai trouvé un! Oh, un autre! J'en ai 6! T'en reste 4 à trouver. Ok, Will, il reste 20 secondes. Oh non! Non! Mais là! Mais là! Will! Non, ça va! 7! J'ai pas réussi à trouver tous tes œufs, mais j'ai trouvé l'œuf doré. Donc 6 points plus l'œuf doré. Donc j'ai 11 points. Bravo. Il me reste quand même 3 autres œufs que je n'ai pas trouvés. Ils sont où? Il y en avait un sous un œuf gonflable, un dans un Kinder géant et un autre dans la couronne sur ma porte. Oh là 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 là. Bon, allez, maintenant ça va être à ton tour de faire ma chasse aux œufs. Bon, Laurie, est-ce que t'es prête? Oui! Je te rappelle que j'ai eu 11 points, donc c'est le score à battre pour gagner! Oui, je suis prête! Ok! Mais je t'avertis, ça ne sera pas facile! Je suis prête! Attention, le 2 minutes commence maintenant! Allez! Allez, allez, allez! Oh, il y en a un ici! Oh, il y en a un ici! La PS5! Oui! Ok, j'en ai 2! Ok, ça... Non, un sapin peut-être? Oh. Oui, oui, il y en a un ici! J'en ai 3! Sous les peluches! Elle n'a pas trouvé l'œuf dans la peluche! Allez, 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 allez! Dans les chocolats, oui, oui, il y en a un, ici! Dans sa pièce secrète, peut-être? Non! Oui, il y en a un ici! Oui, oui, ok! Attention, il te reste 1 minute! Non, non, j'en ai juste 5! Je te rappelle que tu as le droit d'aller voir à l'extérieur! Allez, Laurie, il te reste 30 secondes! Oh non! Pendant que Laurie cherche, je veux remercier Dania qui a commenté « Je suis abonné, je ne suis jamais dans une vidéo. » Alors, Dania, voilà, tu es dans ma vidéo! Merci d'être abonné! Oh oui, 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 je l'ai trouvé, oui! Attention, il te reste 15 secondes! Alors abonnez-vous si vous voulez passer dans ma prochaine vidéo! Hé, hey, allez Laurie, il reste 5 secondes! Non, 2, non, 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 non! 1, non! C'est terminé! Ça va être un coup dur! Oh non! Alors Laurie a trouvé seulement 6 œufs, tu n'as pas trouvé mon œuf doré! Mais en vrai, c'est trop difficile ta chasse aux œufs. Où est-ce que t'as placé les autres œufs? J'en avais mis un dans la peluche, un autre dans ma guirlande d'œufs, un autre dans la paille et l'œuf doré était caché dans les Ferrero Rocher. J'avais utilisé un emballage que j'ai mis sur l'œuf doré pour que tu te doutes de rien! Oh my god! Mais en vrai, je crois pas que j'aurais réussi à le trouver celui-là. Donc pour le pointage final, Laurie a trouvé 6 œufs, donc 6 points, et moi, j'ai 11 points, ce qui veut dire que c'est moi qui gagne! J'aurai donc le droit de prendre tout ce que je veux dans ta maison, mais attention, pour te laisser une chance, j'ai le droit de prendre seulement les trucs qui rentrent dans le panier. Au moins. J'ai quand même une petite limite. Je sais déjà que je vais aller chercher les bonbons. Oh. Ok, allez! 3, 2, 1, vas-y! En vrai de vrai, je peux prendre le temps que je veux. J'ai le droit de remplir le panier. Alors désolé Laurie, mais je vais prendre des bonbons. Oh mais laisse-moi ça au moins un peu. Est-ce que t'avais remarqué que j'ai volé tout à l'heure un pot de bonbons? Ben oui, je l'ai vu, il est dans ta pièce secrète. C'est vrai. Bon allez, je prends ça, ça, des petits chocolats. Allez, je vais prendre ça aussi. Oh, mais là, ok, stop. Non, je vais prendre qu'est-ce que je veux. Mon panier est presque déjà rempli. C'est assez, je crois. T'en as assez pris. Non. Ton squishmallow. Non, non, non. De toute façon, il rentre pas dans le panier. C'est donc à moi. Donc, t'es chanceuse. Oh. Ça aussi. Non, mais là. Et je vais prendre quelques sucettes. Je crois que t'en as assez pris. Ça suffit. Attends. Ok, ton panier est rempli maintenant. Ok, bon, allez, en vrai de vrai, je peux abuser, mais ouais, mon panier est rempli. Merci, bye bye. Pour vrai, je me sens un peu mal parce que j'ai presque tout volé, les bonbons et les chocolats de Laurie. Merci, Laurie. Pour l'instant, Will a un total de 28 points et moi, j'en ai seulement 15. Alors, je dois vraiment me rattraper pour les prochains défis parce que je veux gagner. Regardez ça, je joue à Minecraft. Pauvre Laurie, elle n'a pas de PS5 dans sa maison. J'ai donc passé une bonne partie de la journée à jouer à la PS5 pendant que Laurie ne faisait pas grand chose. Vous avez été plusieurs à nous demander d'échanger de maison durant le 24 heures, alors c'est ce qu'on va faire avec Laurie et on aura aussi un autre défi à faire dans la maison de l'autre. Bon, Laurie, est-ce que t'es prête? On va échanger de maison pour la prochaine heure. Oui. Ok, c'est parti. J'ai plus de PS5, malheureusement. J'ai oublié que j'avais volé tous les bonbons de Laurie, donc j'ai même plus de bonbons. Oh my
my god, c'est les bonbons que Will m'a volés. Je peux enfin les récupérer. En vrai, c'est trop cool parce que Will a une PS5 avec une télévision. Je vais essayer de jouer à Minecraft. Je sais pas trop comment ça fonctionne. Will, quoi? Je vais jouer à Minecraft. Non! Non! Comment on joue à Minecraft? Non! C'est quoi ça? C'est quoi? Je me suis fait tuer? Quoi? Non! Je suis morte! Oups! Attends, est-ce que je rêve ou j'ai entendu Laurie dire qu'elle est morte? J'ai passé une heure à jouer à Minecraft! Laurie! Arrête de jouer! Je suis morte par accident. Oh, je suis morte une deuxième fois. Oups! Will, est-ce que t'es prêt pour le prochain défi? Je suis encore fâché que Laurie ait gâché mon monde Minecraft, mais oui, je suis prêt pour le prochain défi. Pour une valeur de 10 points, on va devoir préparer un dîner de Pâques à l'autre personne en se servant uniquement des bonbons qui sont dans la maison de l'autre personne. Ça veut dire que je vais devoir prendre les trucs dans ta maison et faire un dîner de Pâques pour toi? Oui, et moi, je vais me servir des bonbons qui sont dans ta maison pour faire ton dîner de Pâques. Bonne chance! Comment je suis supposé faire un dîner de Pâques si j'ai volé tous les bonbons dans la maison de Laurie? J'ai plus aucun bonbon! Bonbons! Non! En vrai, ça va être trop facile parce que Will a tout plein de bonbons ici. Non, en vrai, c'est mes bonbons. Oh non, mais là, c'est sûr que je vais perdre ce challenge. Il n'y a plus de bonbons, regardez. Ah, il en reste encore quelques-uns. Je sais pas encore qu'est-ce que je vais mettre dans l'assiette, mais dans le bol, je vais utiliser ces petits bonbons. Ça sent bon en plus. Et en vrai, j'ai goût d'en manger. C'est bon! Je vais prendre une petite guimauve en forme de canard et je vais en mettre ici tout autour. Voilà! Je sais exactement qu'est-ce que je vais faire dans l'assiette. Alors, je vais commencer par prendre ces deux sucettes que je vais mettre comme ça. Et maintenant, je vais utiliser ces guimauves. Une comme ça. Une comme ça. Voilà. En haut des sucettes, je crois que je vais utiliser ces œufs comme ça. Comme ça. Et un autre comme ça. Je vais prendre ce chocolat avec les deux petits lapins. Voilà, c'est parfait. Et je pense que je vais enlever des petits canards parce que je vais faire de la place pour ce petit lapin en chocolat. Comme ça, juste ici. Voilà, je vais mettre celui-là comme ça. Et je vais mettre l'œuf en chocolat ici au milieu. Je trouve que c'est plutôt stylé. Je viens de me souvenir que Willy Bed a une pièce secrète remplie de bonbons. Alors, je vais aller me servir dans sa pièce secrète. Je viens de retrouver les bonbons qu'il y avait dans ma maison. Alors, je vais m'en servir un petit peu ici. Un petit peu ici. Et maintenant, pour le bol, voilà, on va le mettre comme ça dans le bol. J'ai rajouté des petits œufs en chocolat juste ici. C'est des œufs Kit Kat. Et voilà, mon dîner est prêt! Je suis quand même fier et en plus, j'avais pas beaucoup de trucs pour le faire, donc j'espère que je vais gagner. C'est maintenant l'heure de montrer le repas qu'on a préparé! Allez, Laurie! Yeah. Voilà ton repas! Oh. Et voilà le tien, j'espère que tu as faim! Wow! Je dois avouer que le repas de Laurie est vraiment beau, mais en même temps, elle avait beaucoup plus de bonbons que moi! Parce que ben moi, j'avais volé les bonbons à Laurie, j'avais rien! Mais je dois avouer que même si t'avais pas beaucoup de bonbons, c'est un très bel effort, c'est quand même une très belle assiette! J'adore mon assiette, mais je dois avouer que t'as mis des mini-eggs, et j'adore les mini-eggs! J'ai visé dans le mille, et moi, j'adore les guimauves! Bon, alors ça va être difficile de choisir un gagnant, parce que pour vrai, nos deux repas sont quand même bien réussis. Pour la couleur, le goût et la présentation, je peux dire que c'est Laurie qui gagne! Donc bravo Laurie, tu as gagné 10 points, mais attention, tu as maintenant 25 points. Mais moi j'ai toujours 28 points, donc je te bats toujours! Mais attention, il reste encore un défi. C'est vrai, et le défi sera demain matin, donc sois prête et dors bien. Parfait. Nous sommes alors tous les deux retournés dans nos maisons respectives pour se préparer pour la nuit. Le sol est un peu dur parce que je n'ai pas de lit, mais j'ai des petits tapis en fourrure, donc ça va. Mon lit est trop confortable. Oh, je vais trop bien dormir. Bon matin à tous! Alors voilà le riz qui nous attend pour aujourd'hui, le dernier défi. Alors juste avant le riz, est-ce que tu as bien dormi? J'ai très bien dormi. Et toi? Moi non, j'ai vraiment mal dormi. Mais c'est pas grave parce qu'on a un défi à faire, le dernier défi. Pour ce dernier défi, on a tous les deux un chocolat géant dans notre assiette et on va devoir le manger le plus rapidement possible. Et le premier qui réussira à manger ce chocolat géant en entier gagne ce défi et cette vidéo! Alors attention le riz, c'est le challenge le plus important, est-ce que tu es prête? Oui. Honnêtement, Laurie ne va jamais réussir à manger tout ça. 3, 2, 1, c'est parti! Ah, ouais, c'est bon! Bon, oublie pas que cette petite boucle ne se mange pas, donc. Oh, oh, oh.
Pour l'instant, c'est moi qui gagne. Oh. Oh! Oh! Ce mec a des problèmes. C'est comme un instrument de musique. Mais voyons. Oh! 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 Allez, je vais me dépêcher. Pour vrai, je suis un professionnel pour manger du chocolat. Pour vrai, je commence à avoir mal au ventre et je n'ai même pas mangé la moitié de ce chocolat. Oh là là. J'ai même pas mangé la première oreille. T'es trop nul! C'est maintenant l'heure de m'attaquer au visage de ce lapin. Le pauvre, j'ai mangé son œil. À partir de ce moment, chaque bouchée devenait de plus en plus difficile à avaler. Moi, j'ai mal au cœur. Et en plus, il me reste juste ça à manger. Oh, mais là... C'est Will qui va gagner. Mais peut-être rien manger. Honnêtement, qui a eu l'idée de ce challenge? C'est le pire challenge au monde. Faut pas que je m'abandonne. J'ai l'impression que mon ventre va exploser. C'est presque fini. Oh non, mais j'ai aucune chance. Il me reste pas presque plus du bout. Non. Il va perdre. Ok, on sort le dernier petit bout. Oh non. Allez. C'est fini. Oh non. C'est fini. Va exploser. En vrai, oh là là. Comment t'as fait? Oh non. Pour vrai, je mangerai plus jamais de chocolat pour le restant de la vie. Alors, ça veut dire que j'ai officiellement gagné les deux maisons de Pâques. Let's go! Alors, Laurie, ta maison m'appartient officiellement! Yeah! Oh, mon beau panier de bonheur! Honnêtement, je crois que je vais être malade. Oh. Alors, bref, merci à tous d'avoir écouté cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine. Peace out, tout le monde!